salut tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Impact Winter pour essayer de finaliser cette survie, enfin au moins continuer. C'est pas la joie, hein. Je sais pas ce run comment il va se terminer, mais on a très faim, on n'a pas beaucoup de bouffe. Alors on va essayer de voir un petit peu, personne, boisson, on n'a plus grand chose, corde renforcée avec Maggie. Câble en acier. On va essayer de finir tout ça, mais alors... ouais, on va sortir. Et on va essayer d'aller trouver à manger de la nourriture, parce qu'on a rien du tout, et là, c'est... on est au bord de la catastrophe. Alors, nous voici dehors. Du coup, où est-ce qu'on peut aller? Il faudrait qu'on aille au nord... pour le câble, on pourrait aller échanger des graines. On pourrait aller échanger des graines pour essayer de récupérer de la bouffe. Ça pourrait être une solution, moins temporaire. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Alors, il faut qu'on parte au nord-est. Ok. Alors. Par contre. Carburant, il y en a pour 17 heures. Je vais juste aller remettre du carburant et je ressors après et on se retrouve au niveau des graines. A tout de suite. Ok, nous voici rue du Bosquet avec notre petit négociant. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui acheter? Du C4, ça pourrait être pas mal. Un crochet. Il nous faut de la nourriture d'abord. Plateau repas. Plus 50. Et ça vaut 30. Acheter. 4. Par contre, j'ai l'impression qu'il a pas d'eau. Mmh. 5, 6. Il a plus de plateau repas. Ah non, on a juste plus assez de graines. Kajara. Ah, petite bouteille d'eau, ça coûte 5. Et 8 les grandes. Bah on va prendre 3 petites. Voilà. Et on va aller dans notre inventaire. On va consommer. Voilà. On va boire aussi une petite bouteille. Rester comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de repos. Alors. Ok. Donc on est de retour à l'église après quelques petits détours. Alors, on va pouvoir... Alors, stockage. Il va falloir déposer tout ça. Alors, vous voyez que sur la route, j'ai récupéré glacière, seau, casserole, ce qui pourra permettre tout simplement de construire le... Ah! Avec Maggie, si on arrive à la sauvegarder, si elle pète pas un câble d'ici là, de nous faire tout simplement... Alors, je vais y arriver... Wendy, Blaine, Maggie... Le filtre à eau. Il nous manque juste un tube flexible. Donc, bon, on va essayer de trouver tout ça. Alors, plateau repas. On va lui en mettre un. Une grande bouteille d'eau. Devrait lui faire du bien. Lui, il est repu. Elle, on va lui mettre une en bouteille, un plateau repas. Et pourquoi il n'y a plus de plateau repas? Ils sont passés où? Ils ont déjà tout bouffé? Bien vider l'inventaire. Rock Blaine est venu se servir dans l'inventaire, il a dû prendre deux plateaux repas pour lui tout seul. Bon. Ah bah oui, il est rassasié. On va lui mettre une... Ah, c'est pas cool mon grand. Alors, toi, t'as la grande bouteille d'eau, donc ça, on va la garder. On va te mettre une petite bouteille, et voilà. Ok, donc je vais récupérer des graines, ça m'a permis de racheter encore, de
me rassasier moi. Je vais aller faire une petite sieste. Histoire de récupérer un petit peu d'endurance. Vous voyez, j'étais quand même bien bas. On va s'arrêter là. Maggie est partie se reposer. Qu'est-ce qu'on peut faire brûler? Alors, manche à balai 10, des petits chiffons, on est à 82%, il y en a pour 39 heures. On devrait être tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire comme événement? Corde renforcée, ça pourrait être pas mal. Et on a toujours le Evan Burtek, le micro-programme. Ok, donc on va faire ça. Maintenant que je gère un peu mieux Acolyte. Ok, donc il est où ce van? Il est là-bas. On va aller voir au van. Un petit peu ce qu'on peut avoir étant donné que je gère un peu mieux Acolyte. Enfin, maintenant, on va passer la manette. On devrait pouvoir réussir la mission. Je l'espère. Alors, on va aller se mettre dans la zone du van. On va lancer un scan. Ok. Allez, on va forer. On va voir ce qu'on trouve. Une casserole. On va tout prendre. Une bouteille d'eau, ça c'est pas mal. On va se déplacer un peu. On va refaire un scan. Une nouvelle zone. Allez, on va forer. On va voir ce qu'on peut trouver. Rien du tout. Bon. Belle barrière. On est autour du van. Je ne trouve rien. SOS. Allez. Acolyte 25%, 20%, diantre. Ah, câble court. Très bien. On va emmener tout ça. On va aller voir l'autre cache. Voilà. Power, rien du tout, il n'y a plus rien dedans, il est vide. Non. Vide de chez vide. Allez. On va ramener tout ça à l'église avant qu'Acolyte nous lâche. Donc la nuit, ça va, il fait que moins 10. Ok, Acolyte. Plus d'énergie, je suis obligé de le porter. Pas que je perde. On y arrive.
Ok, on a ramené Acolyte, on récupère quelques points. Alors, ah oui, on a ramené un journal, du coup, elle est toute contente. Tout ça, on va le déposer. Hop, hop, hop. Ça, on va le garder. Ça, on l'a posé, tant pis. Mince. Le Jacola. Où est-ce qu'il est ? Les ingrédients. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Capsule de bouteille. Ah, ils ont déjà tout mangé. Bon. Elle est pas. Elle a pas le moral, hein, la petite. Tout le monde dort. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'équipe en bricolage? On peut faire le micro-programme. Ah, ça c'est bien. Bon, on va attendre qu'il se réveille. Ou pas, il est là. Ok. Alors, Blaine, non. Mais Christophe. Bricolage. Micro-programme. Il va aller faire ça, et du coup, au niveau des événements, ça devrait nous le valider. Boost au moral. Alors, le moral augmente. En dormant. Ça devrait aider. Voilà. L'énergie remonte moins vite, mais le moral remonte. Ça, c'est important. Moral, lui, ça va. Lui, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Radio de campement, Kajara, des flèches. Alors, niveau événement, on en est où? On pourrait retourner à Saint-Lazare. Ça pourrait être pas mal. Voilà, micro-programme d'Acolyte fait et passer à l'étape suivante. Très bien. Bon, on va prendre un niveau. Niveau 11. Parfait. Et on gagne 5 heures. Plus que 16 jours et 10 heures. Ah, alors. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Exploration à l'extérieur pour trouver des dangers du monde extérieur, au moins trouver des vivres. Ça c'est bien. Ok. On va parler avec Christophe. On dirait qu'une tempête s'est approchée de l'église, Jacob. La météo est vraiment catastrophique par ici. Maintenant que j'ai fait les changements sur le micro-programme d'Acolyte, de nouvelles améliorations sont disponibles. Trouve les bons composants et je pourrai travailler dessus pour toi. En attendant, prends ce manuel. J'y ai noté des instructions sur comment faire baisser le chrono de sauvetage. Acolyte a la possibilité de détecter les zones de signal quand tu t'en approches. Ce sont des emplacements spéciaux pour trianguler les coordonnées et amplifier le signal de détresse. Lorsque tu explores le grand vide, garde un œil sur la lumière rouge clignotante de l'antenne d'Acolyte. Si elle commence à clignoter, cela voudra dire qu'une zone de signal est proche. Plus elle clignote rapidement, plus tu verras proche du point et la lumière passera finalement au vert. Ok. J'ai ajouté un amplificateur de signal dans la réserve.
Tu devras placer ce petit appareil quand la lumière passe au vert. En théorie, tout devrait marcher. J'ai marqué un emplacement de test sur le radar d'Acolyte. Prends l'amplificateur de signal et dirige-toi sur la zone de test pour voir si tout fonctionne. Ok. Alors, en énergie carburant, défense, c'est petit, mais bon. Je suis pas sûr que je puisse faire beaucoup de choses au niveau défense. Bon, au niveau bouffe, on est complètement à la ramasse. Porte métallique. Ah, si, on peut faire la porte métallique. Ça, c'est bien. On va demander à Maggie de nous faire ça. Porte métallique et rôle. Par contre, je t'ai demandé sommeil lourd. Donc ton moral remonte. Bon. Événement. Alors voilà, la carte. Nous, on est à l'église. Et à l'aéroport et le pénitencier. Qui me paraissent pas mal quand même. Ça m'intéresse énormément d'y aller. Et j'ai bien envie de me rendre jusque l'aéroport. Il y a la forêt. Après il y a la puits. Il y a le Nelson Power là tout à l'est. À l'ouest, pardon. Et j'ai bien envie d'aller faire un petit tour. À l'aéroport. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a réussi à remonter un petit peu au niveau bouffe, etc. Lancer une nouvelle... Ah, une nouvelle porte, améliorer Acolyte, donc des choses qui avancent. Stockage. Je sais pas ce qu'il faudrait pour... Alors, bricolage, monter Acolyte. Niveau 2. Collier de serrage. Ok, on a ce qu'il faut. Juste des colliers de serrage supplémentaires. Très bien. Donc on va s'arrêter là. Avec le montage, je pense que l'épisode va être plus court que ce que j'ai record, mais bon, au moins ça vous tapez pas toutes les traversées dans la neige, etc., etc. Donc c'est un peu plus confortable pour vous. Dans le prochain épisode, très bien, bonus de bonheur, super. Je pense qu'on ira en direction de l'aéroport. Voilà. On verra peut-être que va falloir soigner Blaine avant. Il nous manque quoi? Des pansements. On n'a plus de pansements. Alors je vais peut-être aller acheter des pansements au gars de l'inventaire. Et histoire de le soigner rapidement quand même. Petit revendeur. Et ce qu'on fera, c'est qu'on ira à l'aéroport dans le prochain épisode. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.